sur ma chaîne Virge, c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tenais à remercier toutes mes fidèles et fidèles abonnés. Et je tenais également à souhaiter la bienvenue à mes nouveaux abonnés. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo colo. Je vais vous montrer les colos que j'ai réalisés au mois de juillet et août. Excusez-moi, il y a Tango qui est déchaîné aujourd'hui, ce matin, dès le matin. Alors, en juillet, donc j'ai travaillé principalement, on va dire, sur ces 4 livres, 5 livres-là. Donc, je vais vous montrer dans le livre Fleurs, donc celui-ci. Donc, tout ça, c'est pour les défis groupes. Hein. Comme je vous disais dans une de mes vidéos, j'ai pas plus réalisé de colo que ça. Vous voyez, voilà. Mais comme ça. Voilà, c'est un petit pot de fleurs avec une fleur. Donc, sans prise de tête, sur celui-ci, j'ai utilisé les Stabilopen 68. Et les Faber-Pitt, voilà, j'ai utilisé deux Faber-Pitt et tout le reste, c'est les Stabilopen 68. J'ai pas fait de contour, j'ai pas mis de paillettes, j'ai rien mis, je l'ai vraiment laissé tel que. Donc voilà, pour ce premier colo, je l'aime beaucoup ce petit livre fleur ici. Alors vous voyez, je laisse tout le temps mes petits papiers comme ça à l'intérieur. Ça, c'est un petit carnet que j'avais acheté chez Action. Et comme ça, ben voilà, jour où je reviens dessus et que je vois quelque chose, vous voyez, ils ont à peu près tous des petites feuilles comme ça dans lesquelles je note ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait la page 18. Voilà, forcément, dans le livre Fleurs, on retrouve forcément que des fleurs. Mais ça vous permet de voir également un petit peu. Alors, je vous montre mes colos, voilà, vite fait. Mais ça vous donne un petit aperçu sans vous montrer l'intégralité du livre pour celles qui ne les ont pas. Ça vous permet de voir quelques petits, on va dire quelques petites réalisations faites sur les bouquins. Voilà. Si vous cherchez un bouquin de colo mystère, vous dites ah ouais, tiens, j'ai vu sur la chaîne de Virge. Quelques colos sympas, il m'attire ce livre et effectivement voilà. Bon après je montre pas pour spécialement voilà vous dire regardez le chef-d'œuvre, non hein, c'est pas dans ce but là. C'est dans le but de vous montrer quelques colos que j'ai réalisés, enfin ce que j'ai réalisé dans les 2 mois parce que alors j'avais pas tourné de vidéo juillet-août sinon c'est par mois, juste pour vous donner un petit aperçu ce qu'on peut retrouver dans les livres. Voilà. Alors ici j'ai tout fait au crayon de couleur. J'ai tout réalisé avec les DecoTime, donc les crayons de chez Action, les crayons de couleur de chez Action. Vraiment le plus simple possible. Comme je vous disais, j'ai une petite panne colo. Hein, c'est pas une petite panne, c'est que j'avais plus trop envie de faire de colo. Donc j'ai vraiment réalisé que les colos du mois. Et du coup, en réalisant les colos du mois. Et ben je, voilà, comme vous pouvez voir, j'ai pas, voilà, j'aurais pu mettre un peu de paillettes ou un petit peu de brillant dans, j'ai pas fait, et j'ai juste mis du Posca blanc au niveau des ongles parce que bah, les ongles étaient, vous savez, il y avait plein de traits à l'intérieur, donc j'ai juste mis du Posca blanc au niveau des ongles, mais ça reste blanc comme c'était, voilà, j'ai pas mis autre chose. Et ouais, j'ai rien fait de plus. J'ai pas mis d'essence sans odeur. J'ai pas essayé de cacher les traits. Quoique, je trouve que bah, dans l'ensemble, ça va encore. On voit pas trop les traits. Donc du coup, j'ai pas cherché plus loin. Donc voilà pour juillet, les deux colos que j'ai réalisés dans ce livre Fleurs. Ensuite, on va passer au 100 coloriages. Mystère inédit. Donc ce livre ici. Donc sur celui-ci, j'ai réalisé la page 13. Alors celui-ci, je l'ai fait au feutre et au final, je regrette un petit peu. Voilà. Alors celui-ci, je l'ai fait avec les duals et avec les aquamarqueurs. Donc les aquamarqueurs de chez Action et les duals
Penmarker, il me semble. Je sais plus si vous avez rappelé, je vous les avais déjà présentés. Au pire, vous retournez dans mes anciennes vidéos. Et vous allez les retrouver. Voilà. Alors sur le coup, vous voyez, ici, je me dis, bah, j'ai oublié, reste des 1. Et en fait, les 1, j'avais l'impression que c'était du blanc. Ouais, si c'est du blanc. Alors là, j'ai pas compris pourquoi les. Ou c'est un bleu très 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 clair. Bon, je les ai laissés en blanc. Voilà. Donc celui-ci, hein, vous voyez, je regrette un petit peu. Je trouve que le rendu est loin d'être top. Et le problème, c'est qu'avec des feutres, on peut pas trop mettre de paillettes, tout ça. Hein. C'est pas. Voilà, on peut pas trop. Donc ouais, celui-là, je le regrette de l'avoir fait au feutre parce que celui-ci, je trouve qu'il est plein, plein, plein de défauts. Enfin, il n'est pas net. Hein. Il n'est pas clair. Il n'est pas net. Et ensuite, donc je ne suis pas satisfaite de mon colo. Et ensuite, j'ai réalisé la page 77. Pareil, au feutre. Et pareil, hein, j'aime moins le rendu sur celui-ci également. Et ici, j'ai utilisé les Stabilo Pen 68 et les Aqua Marqueurs. Voilà, donc ça, c'est ceux du mois de juillet. Ensuite, pour le mois d'août, pour le mois d'août, dans. Le tome 3, donc celui-ci, dans les grands classiques de Disney, tome 3, j'ai réalisé la page 64. Alors par contre, celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est où son petit papier, celui-ci? Page 64, ouais, le voilà. Voilà. Donc celui-ci, par contre, lui, je l'aime beaucoup. Et celui-ci, c'était pas pour le colo de la semaine. Celui-ci, c'était pour un défi sur le groupe, parce on met également sur l'année du défi colo. Et celui-ci, c'était pour le défi animaux Disney. Voilà. Donc sur celui-ci, j'ai utilisé principalement également les déco time de chez Action. J'ai absolument pas. Alors, attendez. J'ai utilisé ouais, les Déco Time de chez Action et les Stadler Luna. Par contre, j'ai également, je n'ai également pas passé d'essence sans odeur. Rien du tout. Voilà, je l'ai laissé vraiment à brut. La seule chose que j'ai faite, c'est que ici, je suis venue travailler tout le museau en noir. Au Stabilo, au crayon feutre en fait, hein, au Stabilo Pen 68 et tous les contours, je suis venue les travailler avec celui-ci également, me semble, avec le Stabilo Pen 68. Non, non, les contours, je dis des bêtises, ils ont été faits au Peppermint noir. Et je suis venue juste faire le contour comme ça en vert avec un Posca. Voilà. Et c'est tout pour celui-ci. Donc je vous rappelle, hein, celui-ci vient des grands classiques de tome 3. Ensuite, dans le monde sauvage, donc celui-ci. J'ai réalisé la page 18. Alors, page 18. Voilà. Alors, celui-ci, c'est pareil. Je l'ai laissé tel que. Alors, sur celui-ci, j'ai utilisé les zonards et les brutes funeurs. Et également un crayon noir. Voilà. Il est beau. Je les aime beaucoup, ces petits dauphins. Je trouve que là, voilà, ça ressort. C'était,
En plus, c'était tout à fait d'actualité, hein, l'été, etc. Alors, vous voyez, j'aurais pu, chose que j'ai pas faite, pareil, je n'ai pas passé d'essence sans odeur, rien du tout. C'est vraiment mon crayon à brut. J'ai rien passé d'autre. Par contre, c'est vrai que j'aurais pu peut-être faire un contour pour qu'il soit plus joli, hein, puisqu'on a beaucoup de bleu. Et dans les vagues du blanc, j'aurais pu également venir passer un petit peu de Posca blanc pour enlever tous ces traits, hein, que vous, voilà, qu'on peut voir là. Je ne l'ai pas fait sûrement parce que ben, j'ai sûrement fait un scolo à la dernière minute et du coup ben, je l'ai mis voilà, à peine terminé, je l'ai posté parce que je devais vraiment être dans les temps, vraiment limite au niveau du temps. Ou alors, ben, tout simplement, parce que je n'aurais pas l'envie cette journée-là, mais rien ne m'empêche qu'un jour, je peux y revenir. Alors, par contre, sur le colo d'avant qui a été fait il y a déjà quelques temps, j'avais mis de la paillette par endroit sur mon colo. Et en fait, quand j'ai voulu colorier, eh ben, il y a... Bon, tant pis, hein, je le ferai encore parce que voilà. J'ai comme un peu, vous voyez, le truc de la paillette, l'épaisseur de la paillette du dessous qui fait que le colo, regardez là ce que ça donne à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, à ce niveau-là, mais c'est, voilà, ça ne fait pas papier, ça fait un peu granuleux, hein, par rapport aux paillettes. Alors, comme je vous disais, des fois, les colos restent comme ça. Et puis, des fois, en feuilletant un livre, ça m'arrive de revenir dessus, puis dire, bah tiens, allez, je ressors mon Posca, je vais revenir bien, voilà. Pas simplement pour le montrer, hein, des fois, ça me revient, et puis je me dis, bah tiens, allez, je vais revenir dessus, je vais aller rechercher mon Posca, je vais bien venir ici, retravailler toutes ces zones-là, enlever tous les traits, venir faire un petit contour, mais ça, c'est pour moi, personnellement, hein, je l'ai déjà présenté, je ne vais pas le représenter, c'est juste que des fois, bah ouais, j'ai envie de revenir dessus et regarder les choses que j'aurais pas faites et que je pourrais faire. Voilà, donc sur celui-ci, les zonards et les brutes funeurs. Ensuite, on va rester toujours sur le monde sauvage pour l'avant-dernier colo. J'ai réalisé la page 33. Voilà, celui-ci, par contre, je l'aime beaucoup. Alors, pour celui-ci, j'ai utilisé les Stabilo Pen 68. Et j'ai également utilisé un Metallic Brush Pen de chez Action. Voilà. Et pour le noir, j'ai utilisé un Peppermint noir, vous savez, pour tous ces petits... voilà, tout ça, c'est ces faux Peppermint noir. Donc voilà mon petit couloir. Celui-ci, par contre, a été réalisé entièrement au feutre. Et bah, par contre, celui-ci, j'aime bien parce que, regardez, j'ai essayé en passant avec le crayon. Alors, on va dire que c'est un peu voulu de faire, vous savez, des effets un peu... c'est-à-dire passer deux, trois fois le feutre par endroit, pour essayer de faire un peu comme si qu'il était... Bon, ça, ça y était pas, hein. De base, c'est gris normal. Mais c'est juste pour essayer de faire un peu un genre de pierre ou... Voilà. Et ça, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Alors, pareil, j'ai rien mis. J'ai pas fait de contour, rien du tout. Je trouvais que, bah, comme ça, il rendait déjà bien sans venir y rajouter quoi que ce soit d'autre. Donc voilà pour celui-ci. Et le petit dernier bah, que vous avez vu. Alors ouais, j'en ai fait un sur un défi. Et du coup, il y en a un que j'ai pas réalisé. Et il y en a un que j'ai pas réalisé de colo du mois. C'est pas bien. Il y a un colo que j'ai. Ouais, un colo mois d'août où j'ai dit ben tant pis. Et du coup, à la place, j'ai fait un défi. Et le tout dernier, mais que je vous avais présenté. Voilà, le tout dernier que je vous avais présenté. Donc, je vais vous le représenter pour celles qui ne regardent pas mes vidéos. Donc, dans celui-ci, toujours les fleurs. J'aime beaucoup ce livre-là. Ce petit colo ici que je vous avais présenté l'autre jour quand je vous ai parlé de mon fond que j'avais réalisé avec les dupes de Gelatos de chez Action. Voilà, celui-là a été fait cette semaine.
Aujourd'hui, nous sommes le 25. Donc, je vous le mets aujourd'hui parce que de toute façon, enfin, aujourd'hui, vous ne l'aurez pas aujourd'hui, mais j'ai filmé aujourd'hui parce que j'avais un peu de temps devant moi. Et surtout que, de toute façon, je pense que pour ce mois-ci, il n'y aura plus de colo. Donc, voilà. Donc, ça, ce sera le dernier du mois de juillet-août. Donc, c'est le 90 dans les fleurs. Donc, dans celui-ci, j'ai utilisé les Stabilo Pen 68. J'ai utilisé un seul aqua pour avoir ce rose ici un peu plus clair. J'espère que vous voyez bien pour le rose ici un peu plus clair. Voilà. Il y a des zones blanches, mais il y a pas de trait dedans, donc tout va bien. J'ai réalisé mon fond, donc comme je viens de vous le dire, avec les dupes de Gelatos de chez Action. Et j'ai fait le contour au Posca bleu. Voilà. Alors, je vais le remettre dedans quand même, parce que là, je n'ai pas de le remettre. Ouais, j'aime bien des fois voir avec quoi ça a été travaillé. Donc voilà, j'ai pas mis beaucoup de paillettes dans mes colos ce mois-ci. J'ai ça a vraiment été, enfin les 2 mois de juillet-août, ça a vraiment été du basique basique, on va dire. Je les ressortirai sûrement, je pense, en septembre, quand ça commence un petit peu à revenir un peu plus le colo. Donc ouais, je les ressortirai sûrement plus en septembre, remettre un petit peu de paillettes, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Là pour l'instant, ou un petit peu de métallique ou voilà. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et comme je vous dis, je ne vous montre pas mes colos, rien que pour vous dire, bah voilà, je vous montre mes colos, regardez comment j'ai fait. C'est plus dans le but de vous faire découvrir un peu plus de jour en jour, enfin de mois en mois, on va dire, les livres que je possède et vous montrer ce que j'ai réalisé dedans. Donc certaines n'ont peut-être pas ces livres et ils se disent, ah ouais, tiens, j'aime plutôt bien celui avec les fleurs. Ou ah, son livre, par exemple, qu'elle nous a montré du tome 3. Le petit chien est super beau, donc je pense qu'il y en a d'autres qui sont aussi beaux, etc., etc. C'est plus dans ce but-là. Voilà, sur ce, ma vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde!